un dôme de verre magnifique avec la petite collection privée du patron de chez Red Bull. Donc il y a de quoi faire. C'est fort sympathique. Voilà, pour s'occuper, on peut prendre une petite Formule 1, un week-end, ou sinon un avion, ou un hélicoptère. Ou on peut aller prendre un verre au niveau du bar vitré transparent, histoire de contempler sa jolie collection d'en haut. Et ça, c'est le microjet expérimental. Mais bon, faut oser quoi. Alors en fait, il y a deux hangars hein, et tous les types d'avions. Là pour les longs courriers. Là, c'est pour le bricolage. Puis ça, c'est vraiment quand on est pressé, quoi. Voilà. Quand on est pressé, on se rend à l'aéroport avec sa Formule 1. Puis ensuite, on prend son jet. On y trouve même la voiture la plus rapide du jeu Gran Turismo 5, mais qui visiblement a eu une avarie, ou qui est en réparation. Bon, parce que contrairement à Gran Turismo 5 où tu n'as pas de dégâts, dans la réalité, je pense que quand tu te sors, ça fait du gros dégâts. Vas-y, lis la fiche technique pour voir. 545 kg à vide, 615 avec les pleins, V6 turbo, 1500 chevaux. 1500 chevaux, hein. Et 714 Nm de couple à 12 000 tours. Pas mal.